Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au temple de l'eau de Tadao Ando. Donc on est sur l'île de Awaji. Encore une fois, on a un bâtiment en béton brut. C'est Tadao Ando, des finitions magnifiques. Ce bâtiment est hyper poétique. J'espère que vous allez pouvoir le sentir. Mais vraiment, il y a une atmosphère assez particulière quand on est ici. Donc là, on est au niveau du sol. Enfin, moi, je suis quelques marches en dessous. Vous êtes au niveau du sol et vous voyez les étendues d'eau qu'il y a autour avec les nénuphars qui sortent. C'est vraiment magnifique. Et ce qu'il y a de particulier avec ce temple, c'est que donc, c'est un hôtel bouddhiste, mais celui-ci se trouve en souterrain, sous cette magnifique étendue d'eau, et il va falloir s'engouffrer au milieu comme ça. On a l'impression que c'est un espèce de tableau bidimensionnel, mais qu'au milieu il y a une faille, et on traverse le tableau et on entre dans quelque chose d'autre. Et j'espère que vous allez pouvoir ressentir cette atmosphère telle que moi je la ressens quand je suis ici, parce que c'est assez magique comme endroit. À tout de suite. Déjà là, j'essaie de ne pas parler trop fort, vu que mine de rien, c'est quand même assez populaire comme endroit. Je suis assez surpris de voir qu'il y a beaucoup de Japonais qui viennent le visiter. Et les bâtiments de Tadao Ando ont cette force, en fait, c'est le béton brut qui donne ça. C'est tellement simple, ce béton brut, en fait, il nous montre où regarder. C'est justement, on a juste ces plans en béton qui sont presque schématiques, qui viennent mettre en lumière quelques éléments et qui viennent sculpter la lumière naturelle. Tout est fait autour de cette lumière naturelle. Et ensuite, on entre et on a juste une perspective qui est travaillée avec une entrée de lumière. Et c'est magnifique. Il commence à pleuvoir, je vais gentiment me bouger, surtout que je suis en train de bloquer le passage pour des gens. On se retrouve, je pense, au prochain bâtiment de Tadao Ando. Ciao! Yumebutai, qui veut dire littéralement le lieu des rêves. Donc c'est un complexe toujours et encore fait par Tadao Ando. J'imagine que ça peut se voir un petit peu. Des formes géométriques, du béton brut. On commence à connaître la recette. Hein. Mais ici, c'est tout un complexe avec beaucoup de bâtiments différents, beaucoup de programmes différents. Derrière nous, on a un hôtel. Au-dessus, on peut un peu apercevoir, on a un jardin en terrasse avec des fleurs. Et puis voilà, on va faire un petit tour de ce complexe qui a une histoire assez particulière. Et je vais revenir dessus
vous poser la caméra et je vais vous expliquer tout ça. À tout de suite. C'est bon, on est posé tranquillement. Comme je vous disais, c'est un endroit qui a une histoire assez particulière. Ça a commencé les premiers projets en 94. Et en fait, toute cette zone, hein, donc c'est quand même assez grand. Donc pour vous rappeler juste, on est sur l'île de Awaji au Japon. Je pense que je vous mettrai une petite carte. Toute cette zone de Awaji, en fait, a été utilisée pour prendre de la terre et ensuite faire des îles artificielles avec, dans la baie d'Osaka. Et la baie d'Osaka, en fait, on est face à elle. Il y a beaucoup d'îles artificielles, notamment l'aéroport du Kansai, qui est l'aéroport sur lequel j'ai atterri et duquel je vais repartir demain après-midi, qui a été fait par Norman Foster. Donc il y a eu ces îles artificielles faites avec de la terre. La terre, il fallait bien la prendre quelque part. Et où est-ce qu'y comprise ? Ici. Et on est venu vraiment modeler la nature, utiliser la nature, sans vraiment la respecter. C'était l'idée que l'homme était tout puissant, on pouvait faire ce qu'on voulait comme on voulait. Derrière, ça a laissé des zones totalement endommagées. Et ici, c'en était une. C'était une espèce de grande carrière de terre à ciel ouvert. Je vous mettrai quelques photos de ce que j'ai vu, vraiment, c'était horrible. Et ils étaient laissés à l'abandon comme ça. Et en 95, il y a eu un événement assez tragique, qui est un très gros tremblement de terre dans la région, magnitude au-dessus de 7, avec l'épicentre juste à côté. Donc ça a fait un désastre, comme d'habitude, avec ce genre de tremblement de terre. Il y a beaucoup d'incendies, des personnes décédées, des blessés. En fait, ça a rendu le concept de cet endroit peut-être encore plus fort. Parce que, comme on le sait, la nature au Japon peut être cruelle, peut être très violente. Et il apparaissait encore plus nécessaire d'avoir un lieu pour réconcilier les hommes et la nature. Voilà, Yumebutai. Le lieu des rêves. Je crois que tout est dit dans le nom. C'est très poétique. Et donc, comment est-ce qu'on vient célébrer la nature ici ? Donc, il y a différents programmes, comme j'expliquais au tout début. Il y en a un que j'ai montré quand j'avais la caméra à la main, qui est les jardins en terrasse, le jardin floral. Juste derrière ici, on peut voir des grandes serres qu'on va aller visiter. Aussi, tout du long, peut-être vous entendez un petit peu le bruit, il y a le bruit de l'eau. L'eau qui coule, et ça crée une atmosphère très particulière entre les arbres, le béton, l'eau. Il faut quand même juste remarquer, c'est pas très bien entretenu. Le béton a assez mal vieilli, c'est quand même un projet qui a plus de 20 ans maintenant, c'est pas dans le lieu le plus touristique du Japon, donc c'est pas super bien entretenu, c'est un peu vieilli, et j'aurais été curieux de voir ce que ça donnait ici il y a 20 ans. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je pense que le mieux, ça va être de vous montrer ce que ça donne. Donc on va continuer. Je vais arrêter de blablater. Et puis, c'est parti. C'est quand même un endroit qui est plein de surprises. Là, j'étais en train de me balader et dans le complexe, et d'un coup, il y a cet énorme truc circulaire. Je ne sais pas si vous me voyez y marcher ou si vous m'entendez. Ça n'a un petit peu aucun sens et c'est ce qui fait que c'est assez incroyable. Je ne comprends pas du tout où je suis, mais voilà, je vous retrouve juste après. Qui honnêtement se prêterait très bien à tourner un film dedans. Parce que c'est rempli d'espace, surdimensionné, extrêmement grand. On ne sait pas trop à quoi ils servent, mais ils servent à quelque chose en fait. Parce qu'ils mettent en lumière les éléments. Ils mettent en lumière l'eau, le ciel, le cadre et la nature. Là juste en bas, il y a une grande étendue d'eau sur laquelle se reflète le bâtiment, se reflète le ciel. Et ces éléments-là, ils sont visibles,
Mais ce béton brut, avec ses formes géométriques très simples, le sublime en fait. Et ça donne quelque chose d'assez étrange. Et je trouve que ça fonctionne. Ça fonctionne parce que ça crée une atmosphère qui nous fait ressentir les choses différemment. Qui nous fait ressentir, ne serait-ce que le bruit de l'eau qui résonne derrière moi, qui résonne ici. C'est toutes ces petites choses que Tadao Ando arrive à harmoniser, à mettre ensemble. Et nous voilà au milieu de cet endroit très étrange. En tout cas, ça fonctionne très bien avec moi. Allez, je vous dis à tout de suite en espérant qu'on ait d'autres surprises. Ciao! Un espace fonctionnel. C'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'il utilise des formes simples avec du béton brut. On pourrait se dire, c'est un moderniste. Form follow function, c'est le mantra des modernistes. La forme suit la fonction. Donc on pourrait se dire, Tadao Ando, il fait partie de ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de fonction. C'est juste créer des espaces gigantesques pour venir célébrer. Célébrer l'humain, célébrer la nature, et célébrer les matériaux aussi. Le béton, il est bien célébré, crois-moi. Voilà, certains diraient que c'est du gâchis d'espace, de béton, de main-d'œuvre, d'argent. Mais moi, j'aime bien si c'est gâché comme ça. C'est quand même très particulier. On va pas se mentir, c'est très étrange. Je vais essayer d'aller voir ces jardins quand même. Depuis tout à l'heure, je suis sur la route pour les jardins, mais je me fais interrompre par des espaces qui n'ont aucun sens et qui sont absolument... J'ai pas envie de dire magnifiques, mais qui sont absolument... qui te prennent au trip, quoi. Qui te provoquent des émotions, qui te font quelque chose d'un peu étrange. Je te dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un mec qui est devenu fou. Ils ont donné de l'argent à un architecte, il est devenu fou et il a fait des trucs comme ça. Voilà, on va voir ce que ça va... On va voir ce que vous allez en penser. En vrai, je suis assez curieux de savoir ce que les gens, notamment les gens qui ne sont pas en architecture, pensent d'un espace comme ça. Ça y est, on est au milieu du jardin, en terrasse. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que c'est divisé en différents blocs. Et chaque bloc représente un continent. Et après, au sein du continent, il y a ces différents carrés qui sont les différentes zones des pays. Donc c'est très bien fait. Ça marche très bien. Et bon, là, on est en automne, donc c'est pas là où il y a la plus grande floraison, c'est pas là où il y a le plus de choses à voir. Mais c'est assez drôle. C'est assez drôle, c'est beaucoup de béton quand même. Hein. Pour quelque chose en harmonie avec la nature, c'est beaucoup, beaucoup de béton. Alors je commence à être contradictoire avec mon discours de tout à l'heure, mais... Voilà, pour rentrer un peu plus dans la technique maintenant, on a différentes choses. On a ces murs-ci en béton brut, et on a un deuxième type de mur, qui lui a un revêtement en pierre avec un bossage assez rustique qui divise ces gros murs, ils divisent les différents blocs dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, les murs en béton, ils définissent vraiment les carrés au sein de chaque élément. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir deux types de murs et deux types de divisions. Et les rambardes, en fait, s'alignent avec ça. Donc là, on voit juste ici ces grosses rambardes métalliques cylindriques qui, encore une fois, divisent les blocs, tandis que entre, ce sont les petites rambardes très simples. Donc en fait, le concept est poussé même dans le détail.
au niveau de la matérialité, mais aussi au niveau des garde-corps, des rambardes, c'est pas quelque chose d'anodin. Tout est pensé, tout est réfléchi. Et c'est souvent ce qui différencie un bon architecte d'un très bon architecte. Les petits éléments techniques, etc., vont venir pas comme quelque chose qui vient après coup et qui est fait sans réflexion, mais sont intégrés dans le projet, dans sa globalité. Ici, on peut voir que les lumières, d'ailleurs, sont intégrées dans les coins ici. Donc, ça fait vraiment ressortir tous les angles. À mon avis, de nuit, ça doit rendre quelque chose de très intéressant. Je serais assez curieux de voir. Je serais assez curieux de voir aussi si on voit une délimitation au niveau de la lumière entre les différentes zones. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, on va aller voir les serres. Voilà, on est devant les serres. Alors là, on a des nouveaux matériaux. On a forcément pour la serre, on a une toiture métallique qui laisse passer la lumière, qui diffuse un petit peu la lumière à l'intérieur. Et puis on a ces grandes parois vitrées en structure métallique autoportante. Voilà, allons dedans. On va faire un petit tour. Sur le bâtiment lui-même, on a ces grandes piles en béton qui se terminent avec ensuite ces tiges métalliques qui viennent tenir toute cette structure de toit avec ces barres et ces petites boules qui en fait servent de connexion pour les barres qui viennent tenir toute une structure. Alors c'est une structure assez classique hein, pour une serre. Et on voit la transition entre la partie un peu plus tropicale et soudainement des conifères. Forcément, il fallait terminer avec un théâtre antique. On y est. Pourquoi je dis forcément? Parce que le théâtre antique, c'est le symbole de ce qu'il y a de plus monumental dans l'architecture. Et on est dans un lieu où, manifestement, la monumentalité, c'est l'effet recherché. Donc, j'ai envie de dire, c'était un passage obligé. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir voir tous les éléments du complexe du Gyumebutai. Parce que tous ne sont pas accessibles, il y a l'hôtel, il y a des dépendances de l'hôtel où il faut y rester pour y voir. Moi, je vais voir tout ce qui est à ma disposition, tout ce que je peux y voir facilement. Et voilà, donc je vous retrouve juste en haut de ce théâtre. On va voir un petit peu la vue qu'on a depuis là-haut. Voilà, c'est tout pour Yumebutai. J'espère que j'ai réussi à retransmettre l'atmosphère de ce lieu qui est si particulier. On se quitte avec la vue sur la baie d'Osaka, ce dernier bâtiment, le théâtre antique du Yumebutai. C'est vraiment un lieu que je ne comprends pas. C'est la démesure japonaise. Moi, je vous dis à bientôt, j'espère. Je vais faire d'autres vidéos sur d'autres architectes, sur d'autres pays. Ciao!
Mais...